Cette histoire commence à l'aube du XXe siècle, du côté de Melilla. Enclave espagnole au nord du Maroc. Sur un tout petit territoire peuplé de tribus berbères, un certain Abdelkrim allait créer un embryon d'État, tenant tête à l'Espagne, puis à la France, pendant plusieurs années. Avant d'être exilé à l'île de la Réunion, où il est filmé ici comme un piètre trophée de guerre, en avril 1927. La guerre du Rif a fait des dizaines de milliers de morts, laissé un pays et une population dévastés par les bombardements et les armes chimiques. Abdelkrim s'évadera au cours de son transfert en France, en 1947. Après avoir trouvé refuge au Caire, il y sera enterré en 1963, comme une grande figure du monde arabe, sans avoir jamais pu remettre les pieds dans son pays. J'ai demandé une fois à ma mère qui était Abdelkrim. Et là, ma mère m'a fait une remarque qui était, c'était un chef moro, comme on dit chez nous, c'est-à-dire un chef marocain, et qui a donné une bonne raclée aux militaires au Maroc. Et elle a ajouté, si Abdelkrim avait vaincu, on n'aurait pas eu Franco. Et puis par la suite, mon directeur de thèse, ici à Paris, à la Sorbonne, le professeur Villard, disait toujours que c'était un raccourci historique. Fantastique, c'est cette phrase de ma mère. Abdelkrim fait partie d'une famille de notables, appartenant à la tribu des Bni Ouriérel. Après des études de droit à Fès, il se met au service des Espagnols à Melilla, comme professeur, interprète, journaliste, puis juge des affaires musulmanes. Abdelkrim et son père militaient auprès des tribus pour favoriser la présence espagnole. C'est ce qu'il racontera au capitaine Sagne, officier interprète de l'armée française, qui l'accompagne dans son exil. J'étais à l'origine plein d'enthousiasme et d'espoir. Et je m'employais, tout comme mon père, à faire admettre aux Rifains l'intérêt d'accueillir les Espagnols afin qu'ils nous apportent le progrès et le développement. Mais l'impatience des sociétés minières allait en décider autrement. Les relevés géologiques, réalisés entre 1905 et 1907, avaient effectivement confirmé la richesse des gisements de fer à proximité de Melilla, aiguisant les appétits pour ce nouvel Eldorado. Malgré l'opposition des tribus, qui refusent la construction d'une voie ferrée sur leur territoire, les travaux vont se poursuivre. En juillet 1909, 6 agents des chemins de fer sont tués par les Rifains, donnant le prétexte à une intervention qui va se solder par un cuisant échec au Barranco del Lobo, où les Espagnols sont écrasés en quelques heures. Ah.
décidé à conserver sa mainmise sur ce dernier petit bout de colonie, à restaurer le prestige de son armée et à protéger les investissements, l'Espagne va s'engager à partir de 1909 dans une véritable guerre, comparable à n'importe quelle autre guerre. L'injustice de la conscription qui ne touche que les fils du peuple provoque à Barcelone une semaine d'insurrection qui sera férocement réprimée et restera dans la mémoire espagnole la semaine tragique. Malgré la mobilisation de forces de plus en plus importantes, l'Espagne restera à la porte du Rif pendant plusieurs années, traitant les populations avec une violence chaque jour décuplée, en proportion de l'humiliation qu'elle subit face à un pays qu'elle méprise. Le peuple ne voulait pas les guerres, il était très ennemi de la guerre, il était contre la guerre. Seulement, bon, il y avait que l'Espagne, elle voulait aussi avoir un certain prestige international. Par exemple, le chef du Parti libéral, le comte Romanones, indépendamment du fait qu'il avait des intérêts aux mines du RIF, il disait toujours « l'Espagne n'a qu'une politique étrangère sur le Maroc ». C'est-à-dire, en ayant perdu ses colonies en Amérique, l'Espagne voulait quand même se réaffirmer au niveau international en tant que puissance. Et la seule manière de s'affirmer, c'était avoir des colonies. Un pays européen qui à l'époque n'avait pas de colonies n'était rien. C'était l'époque des grandes expansions coloniales et impérialistes. La France, qui attendait depuis longtemps de s'emparer de la plus grande partie du Maroc, intervient à Fès en 1911, sous prétexte de sauver le sultan, menacé par une insurrection. Sans compter sur l'Allemagne, qui invoque une violation des traités et envoie des forces navales à Agadir, au sud du Maroc. L'Europe est sur le point de s'embraser. Sans la mobilisation des opinions publiques et l'intervention de l'Angleterre, qui menace l'Allemagne de se ranger en cas de conflit aux côtés des Français, la Première Guerre mondiale aurait sans doute éclaté en 1911. Les Français ont foutu le feu au Maroc par leur politique qui sapait l'État marocain à partir du début du XXe siècle. Le paradoxe, c'est qu'on demande à Lyautey d'éteindre un incendie que son pays a allumé au Maroc. Alors que l'Espagne ne parvient pas à dépasser la zone qu'elle occupe déjà, le résident général Lyautey va entreprendre à partir de 1912 l'occupation du Maroc français, qu'on appelle, par un doux euphémisme, la pacification. Monarchiste convaincu, Lyautey est un pur produit de l'armée coloniale. Il a déjà fait ses preuves au Tonkin, à Madagascar et en Algérie. Et par son respect de l'islam, il est apprécié des notables locaux, pilier du régime. C'est un homme qui va vivre en étant très proche des Marocains de l'époque et qui va vouloir sauvegarder ce Maroc, écarter le chancre de l'Europe, comme il disait.